Salut tout le monde, c'est Ayoub Larbidi. Aujourd'hui, on va voir comment installer Greylog dans sa version 4 sur CentOS 7. Je me base toujours pour l'installation et la mise en place de Greylog sur la documentation officielle du site Greylog. Ici, c'est notre VM CentOS 7 qu'on va installer sur laquelle Greylog 4. Commençons par l'installation de package de Java, l'OpenJDK. Pour ne pas perdre de temps. Maintenant, c'est bon, le package de Java est bien installé. On passe à la création de repo de MongoDB. Puis, je vais faire copier-coller pour le fichier. Excuse. MongoDB, voilà. Par la suite, je fais human install MongoDB pour l'installation de la base de données MongoDB. C'est une base de données non. Voilà, c'est l'installation de MongoDB. Yes. Maintenant, c'est bon, MongoDB est bien installé. On passe systemctld main reload pour le système. Enable pour activer le service de MongoDB. Puis, on fait start. Par la suite, on va checker, vérifier l'état de la base de données MongoDB. C'est active running. Par la suite, on passe à l'installation d'Elasticsearch. Notez bien, c'est la version 7 pour Greylog 4. Notre moteur de recherche d'Elog et d'indexation, c'est Elasticsearch, bien sûr. On va l'installer. Avant tout, on va créer le repo d'Elasticsearch sous etc yum.repo.d. Le voilà. Excuse pour le bruit, je vais désactiver le son. Bien, je vais la laisser. Par la suite, si Yum installe Elasticsearch dans sa version 7, ben ça demande un peu de temps. Alors, maintenant l'Elasticsearch est bien installé. C'est la version 7 d'Elasticsearch.
Ici, on va faire quelques modifications pour l'installation de Greylog sous le fichier elasticsearch.yaml. On va décommenter cette ligne. ClusterName, on va remplacer MyApplication par Greylog. À la fin de ce fichier, on va ajouter action autoCreateIndex de point false. Faites attention pour les débutants pour la modification d'un fichier YAML, c'est très critique. À la fin, on va ajouter cette ligne, puis l'enregistre. Comme d'hab. Voilà. C'est le restart du service Elasticsearch. Par la suite, on va vérifier l'état du service, status. Voilà. Passons maintenant à l'installation de Greylog. On va installer tout d'abord le package de Greylog. Ici, la partie d'installation de Greylog Server. On va installer l'Open JDK, le package de Java, puis le MongoDB ainsi Elasticsearch et maintenant l'installation de Greylog Server. Bon, il y a ici la partie de Greylog Server. Il y a la partie Enterprise, mais je vais installer l'installer avec. On peut installer Greylog Server sans le plugin, plutôt le Greylog Enterprise plugin. Yes. Ça nécessite un peu de temps. L'installation de Greylog Enterprise Integration plugin. Puis l'installation de Greylog Server ainsi ses plugins. Comme j'ai déjà dit, on peut installer Greylog Server sans l'installation de plugin Enterprise. Oui, yes, Greylog. Et c'est bien installé le Greylog Server ainsi ses plugins et le plugin Enterprise. On va faire quelques modifs au niveau de le fichier server.conf de Greylog qui est situé sur etc Greylog Server slash server. On va checker avant adresse IP. La voilà. Ça nécessite la modification au niveau de password secret et la password root. On va générer une password secret. Oups.
installer. Command not found. Command install. Il me faut tout d'abord installer l'installation de Apple Release pour le système. C'est bon, c'est installé. Par la suite, on va générer un secret password, puis le root password. Ce sont nécessaires pour l'installation de GreyLock Server. Vous pouvez tout voir avec détail sur la documentation officielle du site GreyLock. Bien, c'est installé. On va générer ce mot de passe secret. On va maintenant faire la modification au niveau de fichier BI. Etc. Greylog. Voici le file de le fichier de configuration de GreyLock. On va passer chercher, on va décommenter cette ligne. Puis ici je vais copier le password secret qu'on a déjà généré. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais quitter sans enregistrer, puis oups. Puis je vais décommenter cette ligne. Je peux ainsi ajouter mon adresse mail. J'ai déjà checké mon adresse IP. 1.bat. Au niveau de ces deux lignes, je vais mettre mon adresse IP actuelle de serveur. Ça, au niveau de l'HTTP band address. Ainsi, là, au niveau de la navigation sur le serveur, 168.1.net. Voilà, puis j'enregistre les modifications que j'ai déjà faites. Pour le web, je vais utiliser, il faut utiliser une mot de passe assez complexe. Avec cette commande echo-n. Bon, je vais utiliser une passe en clair. C'est juste pour faire un test, quoi. 3, Z, plus A majuscule. Hop. Echo-n. Je vais utiliser une passe en clair pour vous. 1, 2, 3, 1. S.H.A. L'agent 256.
Notre mot de passe est 1, 2, 3. Root password. Là. On fait une copie-coller. Il y a toute une modification pour A. Je m'excuse. Je vais pas faire une copie. Là, je vais copier. Déjà crypté. Dans le fichier server.conf de Greylog. Ça nécessite par la suite, comme d'habitude, le restart et l'activation du service, bien sûr. J'espère que tout est bon. System CTL status. Greylog server. Pour checker l'état de mon Greylog server. C'est bien installé. Maintenant, je vais passer à mon interface web. HTTP 10.168.1.4 sur le port 9000. Assurez que le port 9000 au niveau de votre firewall c'est ouvert ou bien. Faire disable ou la désactivation de votre firewall. Au niveau l'OS, bien sûr, je parle. Ça nécessite peut-être un peu de temps pour qu'il fasse le reload. J'ai commis une faute dans la création de. Dans l'écriture de l'URL. C'est le port 9000 par défaut. Vous pouvez ensuite le changer. Si Linux est enabled au niveau de votre OS, vous pouvez le configurer. Voici tous les détails sur le site de Greylog. Et le voilà. Deux fois, j'ai commis une faute dans l'écriture de l'URL. C'est mon adresse. J'ai bien vérifié que mon adresse, c'est... fconfig, c'est 192.168.1.4. Pour le login, c'est par défaut, c'est admin. C'est admin pour les logs. Admin, puis le mot de passe que j'ai déjà créé avec cette commande. Echo-n password que j'ai déjà créé. Voilà, c'est la Greylog avec sa version 4. C'est input. On va voir dans des autres vidéos la création des dashboards ainsi les streams, les alertes aussi. Ici, c'est le dashboard de Greylog version 4. On veut changer le mode, c'est le mode dark, le mode nuit. C'est vraiment sympa. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi de me contacter pour Greylog. À très bientôt avec Greylog. Ainsi, merci pour votre attention.